Oui, ton ministère consiste à détruire le dévoilement et la destruction des œuvres de la sorcellerie. Amen. Ici, le sorcier est convaincu qu'il lui-même sera délivré. Nous délivrons les sorciers. Je suis très heureux ce matin parce que nous avons un invité du Mac. Son épouse, et le comité qui l'accompagne. Alléluia, c'est un ami, un grand orateur. Et c'est la première fois d'ailleurs qu'un homme de Dieu intervient. Voilà. Alléluia. Amen. Et celui qui est chargé de nous donner la parole. La parole du Seigneur. Soyez bénis. Dis à quelqu'un, sois béni. Parce qu'on n'acclame pas quelqu'un d'ordinaire. Vous savez, nous sommes en Afrique. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Un pays du football. Quand un seul but est marqué, Didier Drogba dit à quelqu'un c'est gâté. Est-ce que tu n'as jamais acclamé un but de football? Tu n'as jamais entendu des personnes se réjouir. Drogba m'a qu'un but. Mais ici, ce soir, il y a plus grand but. Il y a quelqu'un qui a marqué le but de ta destinée. Jusqu'au premier jour, l'adversaire pensait qu'il avait le dessus sur le
Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Lorsque tu sèmes l'arachide dans la terre, tu n'as pas tué l'arachide. Lorsque tu sèmes l'arachide dans la terre, tu as donné l'opportunité à des arachides de pousser. Jésus a dit ceci: si le grain de blé qui tombe en terre jamais entendu. Tu vas donner la plus grande acclamation que le ciel n'a pas encore entendu. Tu vas donner la plus grande acclamation que l'oreille des hommes n'a jamais entendu. Et pendant que tu seras en train d'acclamer, laisse-moi t'annoncer quelque chose. Tu seras en train de mettre en place le processus des miracles. J'ai vu des malades être guéris de manière extraordinaire, simplement en acclamant l'auteur de la guérison. Alléluia. Je compte à trois et on va y aller ensemble. J'ai besoin de quelqu'un qui est debout. Alléluia. J'ai besoin de quelqu'un qui se tient sur ses pieds. Tu vas faire un effort et tu vas te tenir debout. Je compte à deux et demi. Essaye de te tirer un peu parce que tu vas filmer. Dis à quelqu'un, j'ai fait mal. Tout ce qu'on va dire, voisin, excuse-moi. Dis, voisin, excuse-moi. Là où ça arrivait, là où c'est en train de partir, faut m'excuser. Non, mais. Parce que j'ai besoin de voir quelque chose se produire dans ma vie. J'ai dit 2,70, 2,75, 2,90, 2,91, 2,92, 2,93. Est-ce que quelqu'un sent qu'il va acclamer? 2,92 seulement. 2,92.
l'atmosphère va être spéciale. 2,97. Regarde les deux pauvres. Et imagine maintenant le méchant sorcier qui est assis quelque part et qui est en train de contrôler ta vie. Imagine cette confrérie qui est en train de mélanger ta vie. Tu n'avances pas, tu ne recules pas. D'après quelqu'un, tu ne grandis pas, tu ne pétis pas. Alléluia. Et imagine que ce soit à toi. Tu as l'opportunité d'envoyer le feu. Tu as l'opportunité de semer la cécité et la peur dans le camp. Tu as l'occasion ce soir de provoquer un retour à l'envoyeur. Tu as l'opportunité ce soir, à travers ton acclamation, de semer le tout et la désolation dans le camp. J'ai dit 2,97, 2,98, 2,99. J'ai dit 3. Donne-moi ton nom. Aïe, que la faveur de Dieu soit sur toi. Alléluia. C'est vraiment un honneur et un privilège. Un privilège parce que Dieu me fait la grâce de revenir sur une terre. Une terre qui m'a vu naître. Alléluia. Je suis né ici à Divo. Alléluia. Donc je peux dire que je suis originaire de Divo. Donc je suis ton parent, vraiment. Alléluia. Alléluia. Et je bénis Dieu parce que c'est un honneur pour moi. Un honneur pour moi d'être élevé par celui que je considère comme un loin de Dieu. Écoutez, il y a des loin de Dieu et il y a des loin de Dieu. Ne fais jamais la confusion entre un loin de Dieu et un loin de Dieu.
Le loin de Dieu, il se fait appeler. Il se donne des titres. Mais en réalité, il n'a aucun mandat de la part de Dieu. Dieu ne lui a rien dit. Dieu ne lui a rien montré. Il se débat et rien. Mais un oint de Dieu est un visionnaire. Un oint de Dieu, c'est une personne qui aurait pu faire autre chose. C'est une personne qui avait une autre destinée et que Dieu a regardé en fonction de la prière et de la demande d'un peuple. Écoutez-moi très bien. Il n'y a jamais d'appel de Dieu sans des personnes qui prient Dieu. Je vais vous expliquer quelque chose de très fort. Et ça va vous amener certainement à bénir davantage Dieu pour son coin qui est au mieux. Si vous prenez le livre des juges, la parole de Dieu, vous verrez toujours cette introduction. Il criait à l'Éternel et l'Éternel leur suscitait un juge. Écoutez-moi très bien. Des hommes crient à Dieu. Ils invoquent Dieu. Il dit Seigneur, viens nous sauver. Il dit Seigneur, viens nous délivrer. Il dit Seigneur, nous avons besoin de toi. Et pendant ce temps, Dieu cherche un homme. Pendant que les hommes appellent Dieu, Dieu lui appelle. Ah, je n'ai pas parlé à quelqu'un encore. Pendant que les personnes crient à Dieu, pendant que toi tu te dis Seigneur, viens me délivrer. Seigneur, viens opérer un miracle. Dieu lui cherche un homme. Un homme par qui il va passer pour que la prière que tu lui adresses devienne exaucée. Il n'y a jamais un appelé de Dieu sans la prière de Dieu. Dieu ne suscite jamais de Dieu. Dieu ne met jamais de manière spéciale à part s'il n'y a pas un besoin. Alors je peux dire que c'est un honneur pour moi d'être connecté à la bouche de Dieu, la bouche autorisée de Dieu, que Dieu a mandaté, qualifié, il n'y a pas pour un peuple qui a une soif et qui a un besoin. C'est quelqu'un qui aurait pu faire autre chose. Dieu aurait pu lui permettre de gérer son propre business. Mais Dieu a regardé la souffrance d'un peuple et il l'a détaché. Alléluia. Et il l'a positionné dans cette région. Et il fait des choses extraordinaires. Alléluia. Alléluia. Vous savez, avoir un tel homme, connaître une telle personne, relève d'une grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis heureux de connaître cet homme. C'est une bénédiction réelle de Dieu pour ma vie et pour ma destinée. Dieu ne permet jamais une connexion sans destination. J'ai dit Dieu ne permet jamais une connexion sans destination. En fonction de là où Dieu veut te faire arriver, il y a des personnes que tu dois rencontrer. En fonction de là où Dieu veut te mener, il y a des personnes qui doivent t'emmener. Et ce soir, nous sommes déjà matin. Je veux que vous puissiez vous associer à moi pour que nous puissions bénir le nom de Dieu pour la vie d'un homme. Fait de chair et de sang. Et que Dieu a mandaté. Celui qui Dieu a déposé un aura spécial. Avec qui Dieu fait des choses qui dépassent. De partout,
Le monde entier le se demande où vient cette personne. Mais Dieu t'a déposé auprès de toi. Regarde le privilège que Dieu t'a. Alléluia. Vous savez, notre nation, la Côte d'Ivoire, n'est pas un simple pays. C'est une position prophétique. C'est une position stratégique de l'accomplissement de la volonté de Dieu pour la fin des temps. Regardez attentivement la carte de l'Afrique. Est-ce que vous voyez un peu la carte de l'Afrique? Dites-moi un peu la carte de l'Afrique. Si donc vous regardez bien la carte de l'Afrique, vous verrez que la carte de l'Afrique a une forme de crâne. La carte de l'Afrique a la forme d'un crâne humain. Regardez très bien la forme. Le menton de ce crâne, c'est l'Afrique du Sud. La tête, c'est l'Afrique du Nord. Alléluia. Amen. Mais l'oreille, regardez très bien l'oreille. Regardez très bien la forme de l'Afrique. L'oreille de l'Afrique. C'est la Côte d'Ivoire. Dieu m'a dit ceci. Il m'a dit, le temps viendra. Le moment arrivera où lorsque le monde entier aura besoin d'entendre, Dieu, ils iront en Côte d'Ivoire. Ils iront dans cette patrie pour entendre la voix de Dieu. Écoutez-moi bien. On ne peut pas entendre Dieu sans la bouche de Dieu. Est-ce que tu peux m'entendre si je n'ai pas de bouche? Pour que tu entendes Dieu, il faut que Dieu ait une bouche. La Côte d'Ivoire est une terre bénie. Elle est productrice de meilleurs, de champions, de héros. Dieu ne suscite pas des à peu près en Côte d'Ivoire. Regardez bien dans tous les domaines. Dans le sport, dans la politique, dans l'économie. Regardez dans tous les domaines. Allez-y partout dans le monde. Là où vous allez voir l'Ivoirien, c'est quelqu'un que Dieu a béni de manière spéciale. Dieu a rendu intelligent les hommes de cette nation. Dieu a qualifié de manière particulière les hommes de cette nation. Et dans toutes les catégories, il y a des champions. Et dans toutes les catégories, il y a des personnes qu'on appelle hors hiérarchie. Dans toutes les catégories, il y a des personnes qui sont hors classe. J'ai le privilège, j'ai le plaisir, j'ai l'honneur de vous présenter quelqu'un qui est hors de la catégorie, quelqu'un qui est hors de la hiérarchie. Je veux te présenter un prophète de Dieu. J'ai dit un prophète de Dieu. J'ai dit un prophète de Dieu. L'homme de Dieu, le prophète Joël Crasso. Suspect. Je pense que la brigade doit faire des recherches maintenant. Vous détectez les personnes suspectes ce soir. Alors tu vas te ressaisir. Et ensemble, nous allons bénir Dieu pour la vie de cet homme qui nous accorde. C'est un privilège. C'est une bénédiction de Dieu pour notre nation. Pour avoir de tels hommes. D'avoir une telle personne, c'est une grâce. Alors je te donne l'occasion de racheter en me donnant d'entendre avec toi une acclamation digne de l'appel de Dieu. Dis-moi de Dieu, donne une acclamation. Alléluia.
merci encore, prophète, pour le privilège et l'honneur que tu me fais. Non seulement partager ta vie, mais partager aussi ta chair et ton ministère. C'est un privilège et c'est une grâce. Non seulement d'entendre, mais c'est la toute première fois qu'un homme de Dieu vient partager un moment avec le peuple que Dieu t'a donné. Que Dieu te bénisse. Merci encore à toute ton équipe. À tous ceux qui sont dans l'encadrement technique, tous ceux qui sont dans le cabinet. J'ai aimé tout spécialement, vraiment, le chargé de communication, un homme dynamique. Il répond de façon très spontanée. Que Dieu bénisse ta vie. Je bénis Dieu également pour l'homme de Dieu également, parce que quand je dis homme de Dieu, un homme de Dieu, ce n'est pas seulement celui qui prêche, ce n'est pas seulement celui qui vous donne la révélation, mais un homme de Dieu, c'est aussi celui qui sait prendre soin de l'homme de Dieu. Celui qui prend soin de l'homme de Dieu est un homme de Dieu. C'est un homme que Dieu met à côté de lui. Il concerne les choses physiques. Ne devienne pas une préoccupation pour l'homme de Dieu. Afin que cet homme de Dieu soit libre d'opérer dans le surnaturel auquel il a été appelé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. À toute son équipe, à tous les musiciens et aux batteurs que j'ai aimés tout à l'heure. La qualité de sa percue, il cogne très bien. Que Dieu bénisse aussi sa vie, au nom de Jésus. Peuple de Dieu, soyez bénis également. Que la grâce de Dieu vous soit sur vous. Alléluia. Amen, amen. Je ne peux pas continuer de prendre la parole sans vous présenter les personnes qui m'accompagnent. Alléluia. Vous savez, Dieu, il est un Dieu d'équilibre. Il a créé le jour. Il a créé la nuit pour qu'il y ait. Il a donné au jour un axe extraordinaire qui est le soleil, qui éclaire de façon extraordinaire. Il a donné aussi à la nuit d'avoir quelque chose d'extraordinaire que la journée n'aura jamais. C'est la lune et les étoiles. Si on prenait la lune et les étoiles et qu'on les déposait dans la journée, et qu'on prenait le soleil et qu'on le déposait dans la nuit, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Alléluia. Mais dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu est un Dieu d'équilibre. Alléluia. Et c'est pourquoi il va toujours permettre que dans ta vie, tu sois équilibré. S'il vient dans ta vie un temps de ténèbres, ne t'inquiète pas. C'est normal. C'est normal. Parce que sans la nuit, tu ne peux pas apprécier la qualité et la valeur de la journée. D'ailleurs, Dieu lui-même, dans sa grande puissance, n'a pas commencé à travailler la journée. C'est quelque chose que nous devons comprendre. Et je vais revenir là-dessus au moment de l'enseignement. Dieu lui-même, qui a tout créé, n'a pas commencé la journée. Il a commencé la nuit. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai la grâce d'être accompagné par celle que j'appelle ma princesse. Vous savez, la vie d'un homme est un royaume. La vie d'un homme est un royaume. Et le seul roi de ce royaume, c'est Dieu. Alléluia. Même dans ton propre royaume qui est ta vie, Dieu a fait de toi un prince. Si tu es le roi de ta propre vie, tu es en danger. Parce que ça veut dire que c'est toi qui décides de ce qui va se passer dans ta vie. Et là, tu es en danger. Mais Dieu entre dans ta vie, il établit son règne et son royaume dans ta vie. Il fait de toi un prince et il suscite à côté de toi une princesse. Alléluia. Amen. Pour que tu sois équilibré dans ta marche, que tu marches avec assurance. C'est une grâce de Dieu. C'est un privilège. Et chaque fois que j'en ai l'occasion et que la possibilité m'en est donnée, je m'accompagne. Ce soir, elle est là avec moi. Je suis très heureux d'être là. Que Dieu bénisse sa vie. Je l'aime énormément. Alléluia.
C'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles je suis un homme très heureux. Alléluia. À côté d'elle, il y a celle que j'appelle les femmes de feu du ministère. Alléluia. Vous savez, Dieu m'a fait la grâce de diriger un ministère particulier. Dieu m'a fait la grâce de diriger un ministère de manager. Alléluia. D'amener des hommes et des femmes d'affaires qui veulent impacter et influencer l'environnement par la parole de Dieu. À comprendre que sans Dieu, nous ne sommes rien. Peu importe l'intelligence et la sagesse que nous avons, nous sommes appelés à impacter et à transformer notre environnement. Et ces deux femmes que Dieu utilise dans le domaine de la délivrance, c'est extraordinaire de voir que parfois, un homme d'affaires peut avoir un business qui roule et puis on peut donner sa porte. Ce n'est pas le jour à crise. Des fois, ce n'est pas la crise. Ce n'est pas la situation politique. Il y a la sorcellerie parfois. À la base de beaucoup de choses. Aucun sorcier ne peut être content d'une personne qui prospère. Aucun sorcier ne peut se réjouir de ce qui glorifie Dieu. Et je bénis Dieu parce que Dieu m'a permis d'être avec moi sur la parole que j'aime ma parole. Amen, amen. Amen. Il y a mon nom Bloca que j'appelle affectueusement Onction. Il y a vraiment à vie, ça se parle de résurrection. Que Dieu les bénisse aussi d'être avec moi. Je suis aussi là avec le président de mon conseil. C'est un homme qui est doué d'une extrême sagesse. Et je bénis Dieu pour sa vie. Je bénis Dieu pour sa vie parce que c'est important parfois. Lorsque vous avez l'appel de Dieu sur votre vie, ce n'est pas parce que l'appel de Dieu est là que vous n'êtes pas confronté parfois à des réalités. Dieu vous parle, c'est vrai. Parfois vous avez besoin de la bouche d'un homme pour vous dire quelque chose, vous rassurer. Et vraiment, ce président de mon conseil, c'est un homme avisé dans les conseils, avisé aussi dans les orientations. Il s'appelle Roger Dodo. Et je bénis Dieu pour ça. Vous savez, il fait un travail très important dans sa société. Chaque fois qu'il va le déplacer, il laisse tomber son boulot. Et je bénis Dieu pour sa vie parce qu'il a compris le sens du ministère. Alléluia. Et puis, enfin, il y a moi-même, Jean-François Youma. Alléluia. Alléluia. Ce que le prophète a dit est largement suffisant. Peut-être même que ce qu'il a dit est un peu trop. Amen. La réalité, c'est qu'on va se débrouiller, mais on va arriver à quelque chose. Dieu va nous faire grâce. Dieu va nous faire vraiment grâce. Amen, amen. Je suis tellement heureux, que je ne sais pas quel message je vais prêcher. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai partagé. Parce que je sens que l'atmosphère est là. Tellement préparée, favorable à la touche de Dieu. Vous faites moi faire quelque chose. J'ai juste mettre l'engrais. Je veux deux choses chez toi ce soir. Tes yeux peuvent être fermés. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai besoin de tes oreilles et j'ai besoin de ton cœur. Donc si tu veux, tu peux dormir. Mais il faut être sûr que tu vas entendre. Il faut être sûr que ton cœur sera disponible. Tu sais pourquoi? Parce que dans ma Bible, il est écrit que le Dieu que je sers, celui avec lequel je... Celui avec lequel
Je suis là ce soir. Il est écrit à propos de lui dans la parole qu'il ressuscite les morts. Okay, laissez-moi vous expliquer que un mort, c'est une personne qui a été déclarée cliniquement comme incapable de continuer à manifester la vie. Écoutez-moi très bien. Pour qu'il y ait la mort, il faut un processus. Le premier processus, c'est la cessation. Ici, là, le cœur qui bat, ça s'arrête de battre. Ça, c'est le premier niveau. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ok. Donc la Bible dit que Dieu que nous adorons et que nous servons ce soir, il est puissant pour ressusciter. Écoutez-moi très bien. C'est-à-dire que même quand le cœur physique a cessé de battre, Dieu peut parler à la personne et la personne peut revenir. C'est pourquoi je te dis ce soir, j'ai besoin de ton oreille, j'ai besoin de ton cœur. Un autre signe qui te permet de savoir que quelqu'un c'est qu'il ne t'entend plus. C'est quelqu'un suit ce que je lui dis. Amen. Comment quelqu'un qui n'entend plus? Comment quelqu'un qui ne réagit plus? Qui ne sent plus rien? Quand il entend la voix du Dieu que je te prêche, du Seigneur Jésus-Christ, il est capable de se réveiller et de se remettre sur ses pieds. Ceci veut dire que ce n'est pas au corps que Dieu s'adresse, mais à l'esprit de l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit qu'il a façonné l'homme à partir de la poussière de la terre et il a soufflé dans l'homme un souffle de vie. C'était le souffle de l'éternel. Écoute-moi bien. Si ce souffle-là sort, la Bible dit que ce souffle retourne à l'éternel. Est-ce que j'ai parlé à ton esprit? Donc ce n'est pas au mort qui est couché que Dieu parle. C'est à l'esprit du mort qui est revenu vers lui qui parle. Dieu est capable de redire à l'esprit de quelqu'un qui a quitté son corps, retourne dans le corps de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend sur l'esprit? Ce soir, je vais t'expliquer un processus. Je vais t'expliquer comment, de façon spirituelle, l'esprit de la sorcellerie opère. Je vais t'aider à comprendre le processus. Et à partir de là, tu vas voir et comprendre que Dieu, si tu peux dire avec moi Dieu, ah, je t'ai pas entendu. Tu vas dire avec moi Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est plus puissant que tout. Si tu devais donner un thème à mon message de ce soir, c'est de dire que Dieu, le Père de Jésus-Christ, il est plus puissant que toi. Alléluia. Amen. Je vais prendre comme texte d'appui un passage de l'Écriture. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible avec moi? Luc chapitre 7. Prends avec moi Luc chapitre 7, c'est un évangile. Et nous allons parler en quelques 2-3 minutes sur ce passage. C'est une histoire que je pense que tu as déjà entendu. En tout cas, si tu es chrétien, tu as déjà entendu au moins une fois cette histoire. Tu l'as déjà lu. Tu as déjà entendu peut-être un message sur ce texte. Je vais t'amener à comprendre quelque chose de très profond sur la base de ce texte-là.
Voilà ce qui est écrit dans Luc chapitre 7, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Je lis la parole de Dieu. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, emporté en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion. Ministère de la compassion. Très bien. Le Seigneur fut ému de compassion pour elle et il lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tout fut saisi de crainte et glorifiait Dieu, disant, un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole de Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Et je termine pour dire, et c'est arrivé ici. Et tu dis amen avec moi. Alléluia. Ferme les yeux deux secondes, je prie. Père, j'élève ta parole au devant de ton trône maintenant. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Elle est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas connue. Elle a même été rejetée. Et la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçue et à tous ceux qui croient en elle, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, non de la volonté d'un homme, mais la volonté de Dieu. Ce soir, j'appelle à l'existence la destinée d'une personne au milieu de cette assemblée. Ce soir, Seigneur, en entendant ta parole, je prie qu'une personne soit renouvelée et restaurée. J'appelle l'onction qui ressuscite les morts sur la vie d'une personne en Seigneur. Ta parole, rien que ta parole, puisse réveiller quelqu'un maintenant, réveiller son miracle maintenant, réveiller sa guérison maintenant, réveiller, Seigneur, ce qui a été enterré dans sa destinée. Et qu'on puisse te donner gloire au nom de Jésus. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen.
femme était mariée. Moi, elle avait quelqu'un dans sa vie. Quelqu'un qui était son soutien. Quelqu'un qui la soutenait. Une personne qui a changé son nom. Une personne qui a changé son identité. N'est-ce pas que lorsqu'une femme se marie, elle change de nom, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'elle change de nom? Écoutez-moi bien. Le nom du village me dit, tu ne vas pas t'en sortir. Le nom du village me dit, tu ne réussiras pas. Mystiquement et spirituellement, ton nom a changé, mais le nom de ce village n'a pas changé. Ton nom a changé, ton identité a changé, mais le nom de ce village est encore vivant. Alors, on ne nous explique pas ce qui s'est passé, mais la femme a perdu son mari. Écoutez-moi bien, elle a perdu son mari. Elle a fait le deuil de ce monsieur. Elle a fait le deuil de ce monsieur. Elle allait enterrer son mari. La douleur était encore dans son cœur. Mais elle a regardé à côté d'elle et dit à quelqu'un heureusement, dis avec moi heureusement, avant la mort de son mari, Dieu lui a donné un enfant. N'est-ce pas que c'est un réconfort? Elle se dit, le papa est parti, mais au moins, il a laissé un. Dieu lui a donné un garçon. Je suis sûr que le petit garçon, il ressemblait pas à son papa. Donc quand la maman regarde le petit garçon, même si la douleur, n'est-ce pas, du départ de son mari, c'est fort dans son cœur, mais quand elle regarde le garçon, elle est un peu réconfortée. Maintenant, touche ton voisin. Et dis, est-ce que tu connais ceci? Viens ton voisin. Et demande lui, est-ce que tu connais ceci? Elle s'est dit, certainement, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit là. Mais est-ce que tu connais ceci? L'une des premières manifestations des œufs de la sorcellerie, elle te fait croire que la situation que tu vis est normale. L'une des premières manifestations de la sorcellerie, c'est de te faire accepter que la situation dans laquelle tu es est normale. Pour ne pas que tu aies à chercher la cause du problème. Donc l'esprit de la sorcellerie va opérer avec ce qu'on appelle un esprit fantôme. C'est quoi l'esprit fantôme? Le sorcier ne va jamais agir à visage découvert. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train d'expliquer? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train d'expliquer? Il va apporter une maladie dans la famille. Et il va permettre que cette maladie devienne maladie générationnelle. Alors, de manière raisonnable, on va expliquer la maladie. On va dire, oh, laisse tomber ton papa lui-même. Il a fait ça. On va dire, non, 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 dans la famille même, là, c'est comme ça. Pour amener ton esprit à accepter la situation. Lorsque le monsieur est mort, il y a eu des personnes pour parler à la femme. Pour lui dire, ma fille, il faut te calmer. Dans la vie, c'est comme ça. Moi-même qui te parle, j'ai perdu ma femme. Pour faire quoi? Pour t'amener à accepter la situation. Écoute-moi très très bien. Aucun changement ne se produira dans ton histoire. Aucune situation ne sera transformée dans ta vie. Tant que tu acceptes la situation dans laquelle tu es, ne justifie pas la pauvreté. Ne justifie pas la misère. Ne justifie pas la médiocrité. Ce n'est pas la volonté de Dieu que
un évangile qui nous a été apporté. Cet évangile a été accompagné d'une mélodie. Alléluia. Est-ce que mes musiciens sont là? Moi, quand je prêche, on m'accompagne toujours. Il y a des chansons que je n'aime pas dans les églises. Ce sont des chansons dangereuses. Ce sont des chansons que j'appelle les masques de la sorcellerie. J'appelle ça les instruments conscients de la sorcellerie. Est-ce qu'il est là? Mon pianiste est là. Alléluia. Amen. Notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Notre nouvelle patrie, dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Insultez-moi sur la terre. Comment ton esprit peut accepter d'être continu? Humiliez-moi sur la terre. Et 31, vous verrez les bénédictions et les malédictions. Allez.